Salut tout le monde, bienvenue dans les véritables clés de la renaissance africaine. Je suis Jesse Patson, je suis un artiste et entrepreneur et vous vous trouvez actuellement sur Afro Entrepreneur. Donc c'est une série de vidéos que nous allons faire régulièrement pour vous dévoiler les petits secrets, des points, des détails en ce qui concerne l'Afrique, en ce qui concerne surtout la renaissance africaine. Beaucoup d'Africains se posent la question, comment aider le continent? Effectivement, quand on regarde la situation, on est assez préoccupé en tant qu'Africain en voyant ce qui se passe. Et on se demande comment on peut apporter notre soutien, comment peut-on contribuer à la libération, au développement de l'Afrique. Donc c'est dans ce cadre-là que nous allons faire une série de vidéos qui vont vous révéler ce qu'on ne vous a jamais dit sur l'Afrique, ou bien sur le moyen de libérer l'Afrique du sort qu'elle est en train de connaître. Donc, dans cette série de vidéos, nous allons vous donner plein de pépites. Alors, ne manquez pas cela, parce que je vous assure, ce que nous allons vous dire maintenant, vous l'avez entendu nulle part. Nulle part, je regarde sur Internet, je regarde un peu ce qui se passe autour, mais c'est vrai que les réponses que nous allons donner, les éléments que nous allons apporter, je ne les ai trouvés nulle part. Raison pour laquelle nous avons donc décidé de faire cette émission, de partager le maximum avec vous et vous révéler enfin les véritables secrets qui font que nous avons des soucis, l'Afrique a du mal à avancer. Et nous allons donner les solutions pour réussir cette libération. Aujourd'hui, comme c'est la première émission, je vais vous donner une petite information, une petite pépite, mais qui est de taille. Nous allons d'abord commencer à identifier la problématique que l'Afrique vit aujourd'hui. Effectivement, si l'Afrique connaît énormément de soucis, c'est surtout à cause de ce qu'elle a vécu. Nous n'y reviendrons pas parce que, on le sait. Mais néanmoins, ce qui est très important, c'est la colonisation qui est le dernier en date, du coup, la colonisation africaine, qui date où en 1960, on nous dit que nous avons finalement été indépendants, mais nous savons tous très bien que c'est faux. L'Afrique reste toujours sous domination et complètement dépendante de ses anciens colons. La question, c'est comment ont-il réussi à mettre l'Afrique à genoux? Comment est-il réussi à dominer l'Afrique? Voilà la question primordiale que nous allons répondre aujourd'hui dans cette vidéo. Comment ont-ils fait pour mettre le monde, l'Afrique, sous domination? Effectivement, à première vue, lorsqu'on entend cette question, on se dirait certainement la force militaire. Effectivement, la force militaire, c'est vraiment un des grands atouts de l'Occident. Avec cet atout, avec l'armée, avec la technologie militaire, ils ont conquis beaucoup de territoires. D'ailleurs, même au temps de l'esclavage, quand l'esclavage avait commencé, c'est effectivement cette supériorité militaire qui a toujours été un grand atout de l'Occident. Cependant, ce n'est pas le premier, ce n'est pas le plus grand atout, contrairement à ce qu'on peut se dire, ce n'est pas le plus grand atout de l'Occident. Parce qu'effectivement, quand vous regardez ce qui se passe un peu partout, vous voyez les pays émergents qui arrivent en force et qui sont si modernes et développés quasiment que les États-Unis. Hein. Quand vous prenez des pays comme la Corée du Sud, vous prenez des pays comme la Chine, la Russie, Singapour, la Malaisie, j'en passe. Ce sont des pays qui sont en train de devenir des puissances. Voilà, pays émergents comme on le dit. Donc, elles ont beaucoup de capacités et elles ont quasiment les mêmes technologies que l'Occident. Voilà, même en matière militaire, ils sont très très proches. Voilà, la rivalité est assez complexe et énorme. Effectivement, si l'armement définissait la puissance d'un État, d'une nation, d'un pays, c'est que ces pays seraient déjà considérés comme des puissances. Ce qui n'est pas le cas, on les considère toujours comme des pays émergents. Donc effectivement, c'est très 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 subtil. Hein. Je veux dire, l'Occident a quelque chose d'autre, effectivement, qui permet de garder son leadership. Et cela peut paraître surprenant. Et maintenant, nous allons vous donner la réponse. La réponse est tout simple. La puissance, le plus grand atout de l'Occident sur le reste du monde, c'est sa force de propagande.
Effectivement, l'Europe, l'Occident a une force de propagande incroyable. C'est-à-dire, ils sont capables de modeler l'opinion internationale assez facilement, ce que ne réussissent personne. Ni la Russie n'arrive à modeler l'opinion internationale aussi facilement, ni la Chine, ni les autres pays. C'est typique à l'Occident. D'ailleurs, quand on regardait il y a quelques années, quand on se souvient de ce qui s'est passé en Libye en 2011, nous avons simplement constaté la férocité de la propagande occidentale. Effectivement, il était impossible même aux gens de l'Union africaine qui étaient sur le dossier. Donc, on parle d'un pays d'Afrique, voilà, c'est la Libye. Donc, ils sont sur le dossier pour trouver une sortie de crise, du moins diplomatique. L'option était l'option diplomatique. Ils se sont tout simplement fait ravir le dossier par l'Europe, l'Occident, qui était plus bruyant sur la scène internationale. L'Afrique, voilà, n'arrivait même pas à se faire entendre. Ils ont pris le dossier, ils ont lancé la propagande de guerre, ils ont incité les gens à haïr l'ennemi du moment, qui était donc le guide Kadhafi, qui a été diabolisé. Ils ont raconté tout et n'importe quoi, et ensuite s'en est suivi une guerre aux conséquences dramatiques pour l'Afrique dont nous vivons toujours aujourd'hui. Donc, en ce qui concerne par exemple la Libye, ce n'est pas la puissance militaire qui a fait la différence, c'est bel et bien la propagande. La propagande, outil médiatique, outil voilà, psychologique. Bref, il y a énormément de paramètres qui rentrent en compte dans la propagande. Et ce qui est juste incroyable, c'est que l'Afrique ne semble pas avoir encore compris ou bien pris note de cet enjeu, hein, de la propagande. L'Afrique ne dispose pas encore de propagande. Et donc, elle se fait difficilement entendre. J'avais d'ailleurs suivi un professeur très intéressant qui avait rencontré Obama lorsqu'il était président. Donc, c'était lors de la rencontre États-Unis avec les pays africains. Donc, il y avait plusieurs présidents africains qui étaient aux États-Unis. Obama était fraîchement élu président. Et donc, il s'agissait de trouver des marchés. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que les présidents africains de l'époque, bon, ils avaient plutôt un autre problème. C'était Ebola qui venait de sévir. C'était un scandale presque, hein. C'est-à-dire tout le monde en parlait du problème d'Ebola en Afrique. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient touchées, atteintes, beaucoup de décès. Et donc les présidents africains, au lieu de parler business, ont préféré effectivement trouver une solution par rapport à l'Ebola qui sévissait énormément. Donc le président Obama, ce qu'il a fait, c'est qu'il a contacté en lieu et place un médecin africain, donc qui était médecin moderne et puis qui pratique aussi la médecine traditionnelle. Il a appelé, il a dit, écoutez, pourquoi l'Afrique ne trouve pas une solution à l'Ebola? Voilà, il faut que la solution à l'Ebola soit africaine. Et donc, effectivement, il est parti au Sénégal, il a contacté beaucoup de médecins, beaucoup même de médecins africains, pas que sénégalais. Donc, des tradis praticiens, voilà, il faut être très précis, des tradis praticiens, qui ont très rapidement mis 5 médicaments à disposition. Le médecin a pris les médicaments, du moins, il les a emmenés aux États-Unis. Et je vous signale que ces médicaments ont été analysés dans l'un des plus grands laboratoires américains, qui était en fait dans une base militaire. Ils ont fait les analyses et ils se sont rendu compte que, bon, incroyable, mais chaque médicament, il y en avait 5. Il y avait 5, je redis bien. Chaque médicament, donc pas les médicaments ne devaient pas être pris ensemble. Hein. Ils devaient tout simplement, voilà, on pouvait prendre un médicament et puis voilà, voir les effets. Effectivement, ils se sont rendu compte que chaque médicament soignait l'Ebola. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que l'Afrique a trouvé la solution à Ebola depuis bien longtemps. Hein. Là, on parle vraiment des débuts d'Obama au pouvoir et la solution était déjà trouvée, surtout lorsque l'épidémie d'Ebola sévissait en Afrique. Donc, ils ont vérifié dans l'une des meilleures bases militaires, un laboratoire. Hein. Ils ont analysé les échantillons, incroyables. Les 5 médicaments étaient parfaits, soignés à 100%, je crois. Disons 99%, comme il est dit souvent en médecine, 99% Ebola. Donc, qu'est-ce qui se passe? Obama veut donc annoncer la nouvelle au monde entier. Il veut l'annoncer.
Et donc là, effectivement, avec l'effet de propagande des Américains, tout le monde l'aurait su. Hein. Donc, si vous ne le savez pas encore actuellement, si vous ne le savez pas, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Effectivement, ce qui n'a pas marché, c'est tout simplement que lorsque Obama avait annoncé que voilà, maintenant, l'Ebola n'est plus un problème, quand il veut annoncer cette nouvelle, il y a le médecin qui lui dit, écoutez, monsieur le président, c'est bien. Mais étant donné que c'est une solution africaine, nous avons trouvé le médicament de l'Ebola nous-mêmes, nous les Africains. Donc, ce serait bien que notre président, nos présidents déclarent cette nouvelle aussi importante. Effectivement. Donc, ils ont préféré laisser donc au président Macky Sall le soin d'annoncer cette nouvelle au monde. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'avez rien entendu. Vous n'avez rien entendu. Je ne saurais même pas vous dire si M. Macky Sall, le président, a vraiment donné une conférence pour parler de ça. Mais ce qui est sûr, la propagande africaine est tellement faible qu'aujourd'hui encore, on se pose la question si on peut traiter, soigner l'Ebola. Et je vous le dis aujourd'hui, c'est le cas. Ça a été confirmé. Confirmé même par les Américains et avec une connaissance, une science africaine. Voilà, donc c'est juste ce que je voulais partager aujourd'hui. Vous en aurez plein d'autres, des secrets, des scoops par rapport à la Renaissance africaine. Ceci n'est que le début, vous voyez, il fait beau aujourd'hui. Donc on a profité, j'ai profité pour faire cette vidéo. Et ce n'est que le début, parce que vous avez plein d'autres secrets. Je vais par la suite régulièrement faire ce type de vidéo. Nous allons nous asseoir et parler des véritables, je dis bien, des véritables clés de la Renaissance africaine. C'est bien beau de dire la Renaissance africaine, mais nous constatons qu'il y a beaucoup de théories, beaucoup de chemins. Cependant, nous voulons nous concentrer sur ce qui marche et c'est ce qui permettra à l'Afrique de reprendre sa place et ou tout simplement d'être respectée dans le monde parce que là, actuellement, voilà, nous sommes dépendants, nous sommes les derniers et cela ne peut plus durer comme ça. Donc voilà, donc aujourd'hui c'était notre première vidéo, vous l'avez retenu, la plus grande force, le plus grand atout, le plus grand avantage de l'Occident sur le reste du monde, ce n'est pas sa force militaire, c'est sa force de propagande exceptionnelle. Face à ça, effectivement la vérité disparaît. Si la propagande voilà, fait la promotion du mensonge, la vérité disparaît. Donc nous avons ce devoir de maîtriser un outil pareil, c'est-à-dire donc la propagande, les médias, la communication, hein, pour avoir une voix. Parce que effectivement, pour le moment, l'Afrique n'a pas de voix sur la scène internationale, ce qui est bien dommage. Et lorsqu'on donne notre part de vérité, elle se fait difficilement entendre parce que nous n'avons pas les techniques de la propagande. La propagande peut être bien, elle peut être aussi néfaste, hein, comme ce qui, ce qu'on peut voir dans beaucoup de cas, mais la propagande peut être bien et nous voulons prendre ce qu'il y a de bien. Voilà. Donc, je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé aujourd'hui. C'était une vidéo assez spontanée, mais en fait, il fallait le faire. J'avais vraiment envie de partager cela avec vous. Nous restons connectés et prochainement, d'autres vidéos encore plus enrichi, hein, par rapport à notre concept. Et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.